bien, bonjour à tous, c'est Willy Gemon et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Space Engineer. Alors tout d'abord, et avant tout, je tiens à m'excuser parce que lors des trois derniers épisodes, quelqu'un m'a dit en commentaire d'arrêter de siffler. Alors d'arrêter de siffler, c'est bien beau, si on dit quand moi je me fais chier, ben voilà quoi, je siffle un petit peu. Alors je peux comprendre que ça vous emmerde, j'essaierai de moins siffler à l'avenir. Cela dit, si jamais je siffle, c'est un réflexe, c'est pas parce que je le fais forcément exprès. Alors, vous vous souvenez que lors du précédent épisode, on s'était lamentablement échoué sur cette délicieuse montagne, je pense. Parce que là, il n'y en a pas. Et donc, j'ai fait les tests en off et je sais comment régler ça. Alors, n'en déplaise à certains de vous, mais il s'avère que... Alors, attendez, je vais sortir pour vous montrer ça. Hop. Voilà. Ah, c'est vrai, j'avais zappé ce détail. Hop. Alors, il s'avère que ces deux propulseurs-là, ces deux-là, là, ils me consomment déjà une partie de mon hydrogène avant même que je ne commence à décoller. Et pour tout dire, ça m'emmerde un peu. Donc ces deux-là, je vais les virer. Je vais les virer et en fait, pour que je puisse monter, il me faut simplement d'autres propulseurs atmosphériques que je vais mettre à l'avant. De façon à ce que... Hop, d'ailleurs, je vais même pouvoir utiliser ces piliers-là. Hein, de façon à ce que je puisse me lever plus facilement. Ouais, il manque un truc ici. Ah oui, non monsieur, non, non. Alors non, je refuse de commencer cette putain de vidéo alors qu'il manque un truc. C'est quoi ça? Pente de blindage léger. Je réparerai ça. Croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Alors, pente de blindage léger. C'est quoi, c'est ça? Pente de blindage lourd. Pente de blindage léger. Pente de blindage des mininières. Pente de blindage léger extrémité. Je sais pas si c'est ça. Je pense que si, mais je suis pas certain. Hop. Alors oui, non, monsieur, tu n'es pas jaune. Tu es noir. Ou gris en l'occurrence. Hop. Voilà. Je peux construire ça? Mais oui, je peux construire. Voilà. Là, mon dédale, il est propre. Là, mon dédale, il est sécure. Là, on va pouvoir s'amuser un peu. Alors bon, cela, là, étant donné que mon dédale est posé, là, ça ne me consomme absolument rien en hydrogène. Donc cela, déjà, on les vire. Ouais, ça va, j'ai assez de place sur moi, je pensais que j'allais pas avoir assez. Alors, on va se vider l'inventaire, hein, vous connaissez la musique. Ah, tu veux bien monter un jour? Ah, merci. Voilà. Hop, allez. Alors, alors donc inventaire, la merde, voilà. Et tu me fourres tout là-dedans parce que sinon c'est pas drôle. Tout ça c'est bon. J'ai pas besoin de tout ça, on va pas se mentir. Tu vas m'en mettre au moins 1000 là-dedans, facile, voilà. Là j'ai déjà un peu plus de place, vous voyez. Alors bon, bien entendu je garantis pas que ça va marcher. De toute façon si ça ne marche pas, vous ne verrez jamais cet épisode. Vous ne verrez jamais ce début de vidéo, je m'arrangerai pour que ça marche en faisant carrément une autre vidéo. On va pas se mentir. Parce que c'est vrai que ça commence un peu à s'éterniser le fait que je reste sur cette foutue planète. Hein. Donc bon, voilà quoi. Hop. Hop. Alors donc, eh ben on refait la même. La merde. Merci papa, merci maman. Voilà. Hop. Et donc ça doit rajouter des propulseurs atmosphériques. Alors. Toc. C'est vrai. Tac, 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 tac. Ceci n'a pas été traduit. Hop, donc on va mettre ça là. Alors, cette semaine, je ne lis pas de commentaires. Pourquoi? Parce que vous avez été tous extrêmement gentils en me disant « Enfin, t'as réussi à décoller de la planète !» Certains m'ont dit « J'ai failli pisser dans mon froc tellement tu m'as fait marrer !» Alors, c'est très gentil. Cela dit, ce sera rien que je le dise en vidéo, même si je viens de le faire. On va pas se mentir. Donc bon, voilà quoi. Mais sinon, vous avez été tous adorables. Ça, de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute. Par contre, là, ça ne passe pas. Merde. Bon, tant pis. Hop. Donc, rien d'extrêmement constructif. Alors, si, on m'a donné, bien entendu, des idées. Hein, on m'a donné, bien entendu, des idées. Cela dit, je suis un sac, je ne me suis pas préparé avant. Et donc, je suis incapable de me dire qui m'a donné les idées. C'est moche. Mais, rassurez-vous, je me rattraperai. J'espère. Hop. On va en mettre, donc, un autre ici. Il me semble que 5, c'est suffisant. Hop.
Alors pour ceux qui m'ont dit en commentaire, oui, vérifie bien que tes usines de nanites sont bien configurées avec comment dire, avec les usines, avec les assembleurs et tout le merdier. J'ai vérifié, tout fonctionne très bien, rassurez-vous. Donc là, normalement, si jamais j'ai bien calculé mon coût, rien qu'avec ça, alors j'ai enlevé les deux propulseurs hydrogène, donc j'espère tout de même que ça va marcher, parce que les deux propulseurs hydrogène, ça lève beaucoup plus que les propulseurs atmosphériques, on va pas se mentir. J'espère que ça va fonctionner, cela dit, ben, j'ai aucun moyen d'en être vraiment certain. Donc, on va espérer que ça le fasse. J'aimerais que celui-ci soit construit quand même. Si je peux aider. Oh. Ah, il manque juste des grands tubes d'acier, d'accord. Sinon, tout est fait. Ok, bon. Il en manque combien? 50? Enfin, 47? Sérieux, j'en ai plus. Alors, on va vérifier les assemblées, parce que je crois que les assemblées, elles font de la merde, en fait. Si jamais je raconte pas de conneries. Voilà. Ils vont lancer toute une production de trucs absolument inutiles. Hop. Et donc, l'autre, je crois que c'est la même. Voilà. Voilà, grâce à ça, tout va pouvoir être construit. Parce que les assembleurs, en fait, ils se font pas chier. Quand il manque un truc, ils construisent l'objet en entier. Et non pas simplement ce qui manque. Oh, il est noir celui-là. Mais c'est qu'ils sont classe en noir, ouais. Ah, vous savez quoi? Ils sont beaucoup plus classe qu'en gris dégueulasse. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui à fond. Bon, alors, on va essayer de retourner dans la cabine. Sans faire de sauvegarde. Parce que, ben, si jamais la sauvegarde fonctionne pas. J'ai bien l'intention de recharger comme ça me chante. Hop. Poum, 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 poum. Ah putain de ta mère. Voilà. Non mais. Alors ça devrait bien se passer, rassurez-vous. Hop. Hop. Je sautille comme un caribou. Parce que bah, le caribouisme est total. Alors attention. Pas dit que ça marche, mais si jamais ça marche, je compte sur vous pour m'applaudir. Parce que bah, si vous m'applaudissez pas, ça sert à rien que je me fasse chier. Hop, alors attention. It's party my kiki. Hop. Jusqu'ici, ça se passe bien. Ça monte, ça monte. Ça monte bien même. Moi, ça, j'aime pas besoin d'aider, ça monte tout seul. Ça monte tout seul. Jusqu'ici, tout se passe extrêmement bien. Je vais aider un peu parce qu'il faut bien un peu de solidarité. Hop. Allez, monte petit. Monte comme si ta vie en dépendait. Donc là, j'ai tout vérifié plusieurs fois. Oups. Excusez-moi, j'ai fait de la merde. Ah, là aussi j'ai fait de la merde. Bon, on va toucher à rien. J'ai tout vérifié plusieurs fois. Normalement, je peux partir de cette putain de planète. J'ai bien dit. Normalement, j'ai fait des tests en off, j'ai réussi. Pourquoi n'y arriverais-je pas alors que je suis en vidéo? Vous me direz. Ah bah écoute, la malédiction. Hein. Hop, normalement j'y arrive. Si tout se passe bien, aujourd'hui nous retournons in the space. J'espère. Je suis à 215 mètres seconde. C'est déjà bien. J'aimerais bien pouvoir aller à beaucoup plus. 400 mètres secondes, ce serait le minimum, je pense. Pour pouvoir ensuite décélérer et réaccélérer par à-coup en toute sécurité après. 300 mètres secondes, jusqu'ici ça se passe bien. 325, 330, je commence à quitter la gravité de la planète. 360, 370, 380, 390, 400, très bien. Je peux les faire poser un peu. Hop, on fait bien entendu enlever les amortisseurs d'inertie. Voilà. Celle-là, ça ralentit, vous voyez, mais c'est lent. C'est extrêmement lent. Ce qui fait que là, je laisse le temps à, merde, à ce truc-là, là, de se recharger. Vous voyez, là, je suis à 13%. Je laisse le temps à ce machin-là de se recharger. C'est plus... vous voyez, yolo, quoi. Et là, vous voyez que ma vitesse diminue, mais très faiblement. Donc là, je suis tiré l'affaire, techniquement. Hein. Bien sûr, une petite poussée ne fait pas de mal. Mais là, je suis tiré d'affaire, hein, techniquement. On va pas se mentir. Tout se passe très bien. Et grâce à ces 5 minuscules propulseurs atmosphériques. Hein, comme quoi, vous voyez que tout ceci se passe extrêmement bien.
Voilà, chers amis, nous avons enfin quitté cette putain de planète. Ça aura pris moins de temps que ce que je pensais. Je m'attendais à encore passer 10 épisodes là-dessus. Mais a priori, non. J'en suis ravi. Donc voilà, la gravité de la planète est à 0,16G. Ce qui est parfait pour moi, hein. Ça veut dire que j'ai réussi ma mission. Goodbye, la planète. Voilà. Ça c'est fait. Donc là, vous sentez une baisse de mes framerates absolument monstrueuse. Quand je regarde la planète, je suis à 10 FPS. Quand je regarde l'espace, je suis un petit peu à 23 FPS. Moi, je dis ça. Hein. Ok, je suis à 0,11G. Tout se passe bien. Je suis à 331 mètres secondes. C'est parfait. Si jamais je regarde normalement... Ouais, vous voyez que ça continue à se remplir. C'est léger, mais c'est là. J'ai 458 tonnes de glace encore, ce qui est parfait. Oh, c'est bizarre ça. 2K plus 142,9K. Ah bah oui, mais ça c'est l'uranium qui est à cuire, toutes mes excuses. L'uranium qui est à cuire que je n'ai toujours pas cuit d'ailleurs. Hop, on va voilà, en profiter pour se mettre un peu comme ça. Et donc, nous quittons donc cette planète à la con. Parfait. Oh bon, bah on peut commencer à ralentir, on va pas se mentir. Voilà, surcharge d'énergie. Pas extrêmement grave. De toute façon, là, tous les propulseurs ils vont virer après. Hein. Vous inquiétez pas. Là, je vais avoir assez d'éléments pour les siècles et les siècles. Amen. Voilà, comme qu'il dirait. Voilà. Je suis dans l'espace. Tout va très bien. Alors, bien entendu, il va falloir que je modifie quelques petits trucs. Notamment ma soudeuse mineuse pratique. Ma soudeuse mineuse. Oh putain. Ma soudeuse meuleuse pratique, il va falloir que je la refasse parce qu'il y a bug. Et ouais, elle est dans le sol, hein, c'est pour ça que vous voyez la petite fumée noire là. Mon mineur, il va falloir que je le réhabitue à ce qu'il soit spatial et non pas terrestre. Donc je vais faire tout ça, je vais faire tout ça, vous inquiétez pas. Là, mon but c'est de retourner sur Terre. Une fois que je retourne sur Terre, j'estime que la mission est finie. Alors j'exterminerai bien tous les pirates. Malheureusement, cette bande de connards, je sais pas où ils sont, moi. Et si jamais je dois rechercher sur toutes les planètes du système solaire comment ça se passe, eh ben, je suis pas dans la merde. Hein. Ah, ça, je vous le dis cash, hein, ça va pas être drôle, aussi bien pour vous que pour moi. Bon, hop, je suis in space. C'est parfait. On va maintenant aller démonter toutes ces saloperies, mais avant tout, quand même. Hop, excusez-moi, on fait demi-tour. Voilà. Ah putain, oh, je me sens déjà un peu moins lagué. Vous savez quoi, ça fait plaisir. Hop, mais avant toute chose, quand même, on va aller se remplir les bouteilles. Parce que là, pour le coup, je vais avoir besoin de ça. Hop, toi, t'es gentil, tu te remplis. Toi aussi. Bouteille d'oxygène est à 100%, c'est parfait. Voilà. Donc là, vous voyez, ça baisse quand même. Ça baisse, ça baisse. C'est totalement normal. Hop. Donc là, on va remettre le dédale à son état initial. C'est-à-dire que tous les propulseurs que j'ai mis en plus, on va les virer. Les propulseurs atmosphériques et tout le merdier ne feront pas exception à la règle. Je vais absolument tout remettre comme avant. C'est pour ça, en fait, que j'ai pas upgrade le dédale. Parce que techniquement, rien ne va changer. Donc, pourquoi s'emmerder, hein? Hop, ça, c'est cool. Alors, on va d'abord commencer par virer les propulseurs atmosphériques de devant. Oh. Bon, les nids ne les récupéreront pas, c'est pas extrêmement grave. Hop, donc là, bien entendu, j'étais obligé de tout foutre par là. Hop. Qu'est-ce que je fais, moi? R, D, E. Ça, on copie, voilà. Alors, donc là, on va absolument tout virer. Voilà, de toute façon, ce qu'il reste quasiment plus rien dans mon inventaire. Alors là, je peux pas faire ça avec les nanites. Hein. Non, si jamais je fais la déconstruction, les nanites vont absolument déconstruire tout mon dédale. Ce qui n'est pas vraiment la chose que je souhaite, je vais pas vous mentir. Donc bon, on va essayer d'éviter ce genre de conneries. Alors là, ah mais non, mais attends, je suis con. La soudeuse meuleuse est là pour ça? Eh oui, je suis idiot, pourquoi je ne l'utilise pas? Ah bah oui, peut-être parce qu'elle est buggée dans le sol. Alors oui. Parlons-en de ça justement. Déjà, les deux lance-missiles, ça je peux les virer. Alors attendez, déjà je vais les vider mon inventaire. Parce que je fais un peu de la merde dans tous les sens du terme. Hop. Inventaire, pouf, pouf. Hop.
tout ça, ça dégage. C'est parfait. Ensuite, toi. Ah, j'ai oublié la sauvegarde. Je suis dans l'espace quand même, faut pas déconner. Hop, ça c'est fait. Il y a quelque chose là-dedans? Bon, non, il y a rien. Ça, c'est bon. Alors là, c'est abîmé. Pourquoi, je ne saurais dire. Cela dit, c'est réglé. Hop, alors donc maintenant, on va enlever tous ces propulseurs qui buguent à mort. Hop. Alors ça va pas être difficile à remettre, hein, rassurez-vous. C'est ce qui même ce qui va y avoir des plus simples à faire. Hop. Ce qui m'emmerde, c'est que là, pour accéder en dessous, je sais pas comment je vais faire. Pour ces deux-là, c'est peut-être pas vraiment nécessaire. Voilà, celui-ci dégage. Celui-là, c'est la même. Hop. Et donc, alors c'est lui là qui m'emmerde. Comment je vais faire? Est-ce que là j'ai moyen de. Est-ce qu'il faudrait que je nique le blindage léger en fait. Pas moyen d'enlever juste ça? Non, t'es sérieux? Je suis obligé. Oh putain. Pas moyen de. Je sais pas, de m'aplatir contre le sol. Faire ça comme ça. Et non, s'il veut pas. Il veut pas. Ok. Bon. Et bah, à défaut de faire ça, on fera avec. C'est bon? Parfait. Très très bien. Donc là, il ne bouge pas, c'est normal. Si je le pousse, est-ce qu'il bouge? Non, il n'a rien à foutre, il bouge pas. Ok. Oh bah tiens, d'ailleurs, il n'y a rien en dessous. Alors, le blindage léger. Merci. Tu me mets ça à cette couleur. Merci. Tu me le remets donc ici. Et donc, tu me le construis. Merci. Ok. Alors maintenant, on va baisser un peu le dédale. Parce qu'on va pas se mentir, ça va être un peu indispensable. Hop. Oh putain, qu'est-ce que ça a le don de me casser les couilles, ça? Il pourrait pas le modifier, ça? Genre, je sais pas, moi, éviter que. Qu'il y ait des décompressions. Même faire des salles de décompression, ce serait genre l'idéal. Sincèrement, on est dans un jeu spatial, on n'a pas de salle de décompression, c'est quoi ce bordel? Sincèrement, je pousse ma gueulante, hein. Les 4 Space Engineers, si jamais vous regardez ça, faites votre boulot, quoi! Ah, je parle mal. Mais bon, en même temps, ça doit être dur de gérer un jeu comme ça. Je ne le. Parfait. Je ne le nie pas. Voilà ce que je cherchais. Hop, ok. Tout est fait, tout est bien. Pom polidum, polidum, pom pom. Tout se fait, chers amis, tout se fait. Hop. Là, vous voyez, là, pour là, c'est simple. Mais alors, pour l'autre, putain, c'est casse-couille. Hein. Alors, donc, ma petite soudeuse, qui pour le coup est en l'air. Hop, alors, donc, des propulseurs. Hop, là, par contre, c'est ceux-là. Bon, les gros propulseurs pour le grand vaisseau. Moi, c'est ceux-là que je veux. Hop, alors tu me le mets, s'il te plaît, à cette couleur-là, merci. Tu serais gentil d'arrêter de bugger un jour, non? Je pense pas que ce serait bien. Hop, parfait. Alors donc, messieurs, dames, il semblerait donc qu'il y en avait un ici. Qu'il y en avait un autre ici, je crois. Hop, il y en avait un autre là. Un autre ici. Déjà ces quatre là, on va les construire. Oula. Oh putain. Ça c'est fait. Hop. Donc là j'ai largement de quoi. Hein. Je les ai démontés. Donc dans la logique, ça devrait bien se passer. Voilà. Ça déjà c'est fait. Alors une fois que ça c'est fait. Pourquoi là il y a un trou qui s'apparente à ça? I don't understand. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Et donc, des trains d'atterrissage, parce qu'il va m'en falloir, si jamais je veux que ce machin reste au sol. Hop.
Train d'atterrissage. Alors, serait-il assez gentil pour te mettre droit? Oui, a priori. Voilà, donc on va en mettre un ici. Il y en avait un qui était, je crois, genre ici. Voilà. Et un autre qui était là. Si je raconte pas de la merde, ça doit être à peu près ça. Hein. Hop. Voilà. Parfait. Hop. Parfait. Tout marche toujours bien? Ah, d'accord. Tout marche toujours bien, a priori. Si jamais je me pose, ça va les activer automatiquement. C'est normal. Voilà. Maintenant, ça devrait régler le dit problème. Parfait. Hop, allez, go. On va aller démonter tout ça. Parce qu'après tout, ce petit vaisseau est fait pour ça. Hop, donc c'est le numéro 2. Alors par contre, bon, on va éviter de s'éclater dessus, ce serait bien quand même. Parfait! Moi je dis ça marche formidablement bien ce genre de choses. Tu comptes te démonter un jour? Oui. Merci quand même, j'ai cru que tu le ferais pas. Hop, nickel. Oui, il y en avait un autre ici, mais c'est moi qui ai démonté celui-là. Ok, parfait. Donc ça, déjà, c'est fait. Alors ensuite, tous ceux-là, ils vont virer également. Stop, 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 Billy, stop. Sans déconner, j'ai dit stop. Ah, si je n'écoute jamais. Hop. Je suis encore assez loin. Eh, on dirait pas, hein. Je croyais que j'étais prêt, moi, pour ma part. Hein. Ouais, comme ça, c'est mieux encore. Ou pas. Voilà, quand les deux sont concentrés sur un, ça va plus vite du coup. Tout se passe bien jusqu'ici. J'ai pété un truc, c'est ça? Oh! C'est bizarre, tiens! Putain, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ce genre de choses! Bordel de merde! Ah mais en fait, j'ai éclaté tout un côté, carrément! Oh, bordel! Bon! Ok. Hop. Tout se passe bien, chers amis, tout se passe bien. Hashtag lol. Hop. Tellement jouissif de pouvoir être dans l'espace, putain de merde. Plus jamais je me pose sur une planète. Plus jamais, vous m'entendez? Alors, petite question, est-ce que les nanites prennent en charge les vaisseaux que je pose avec le... avec les trains d'atterrissage? C'est pas dit, ça. Ce n'est pas dit. Alors... on va essayer ça tout de suite, écoutez. La soudeuse. Bah écoute, viens là, vas-y. Voilà. Mais et merde, putain de saloperie de soudeuse. Tu vas venir ici, oui. Et donc la meuleuse. Qui, elle, va venir ici. Au passage, les outils de perso, tu me remets ça. Comme ça, parce que tu me casses pas les couilles. Alors donc, ce machin-là. Hop, numéro 9. Voilà, et non, tu n'étais pas comme ça, mais comme ceci, on est bien d'accord.
Voilà. Est-ce que je peux te construire? Non, pas encore. Ok, donc ça c'est fait. Alors à voir si mes liens prennent ça en compte, évidemment. Hop. Si jamais prennent ça en compte, c'est juste God tier, moi je dis. Hop, et donc là, bien entendu, ce n'est pas comme ça. Mais comme ça. Et bien enfin. Et j'ai besoin de plaques d'acier, mes couilles. Plaques d'acier, plaques d'acier. Il me faut des plaques d'acier. Alors les nains ils vont construire ça, vous inquiétez pas. Vous savez comme moi comment ça va se passer. Hop, voilà, j'en ai quelques-unes. Tu vas m'en prendre 1000, ça devrait plus que largement couvrir les frais, je pense. Hop. Parfait. Maintenant que ça c'est fait. Ouais, merci, tu m'as mis d'aller dedans, au moins tu fais pas chier. Hop. Oula, j'avais pas prévu ça. Hop. Non, de l'autre côté. Je me tromperai toujours, hein. Toujours, toujours, toujours. Hop. Je suis dessus ou pas? Il semblerait. Je dois pas en être loin, mais je suis pas encore totalement dessus a priori. Alors oui, on m'a aussi demandé si jamais je voulais rejoindre un serveur survie. Alors pas pour faire des vidéos dessus, évidemment. Enfin, si, j'en ferai peut-être une ou deux, mais c'est juste pour le lol. Enfin, je veux dire, je ferai pas de pub sur le serveur ou quoi que ce soit. Non, faut pas compter là-dessus. Alors j'en ferai peut-être, mais pour le moment ma connexion ne me le permet pas, donc c'est mort. Cela dit, ça se fera peut-être, pour ça ne vous inquiétez pas. Hop, alors, ça je peux le virer en attendant. Hop, avec un peu de lumière. Voilà, plus besoin de ces immondes choses. Donc là, les construire ça, c'est parfait. Hop, moi en attendant, j'ai ça à démonter. Alors là, bon, je lagouille un peu parce que, ben, la planète, hein. Ça, c'est fait. Donc maintenant, j'essaie de la virer. Ça c'est fait. Bon, les autres je vais le démonter avec ça, hein, faut pas déconner quand même, mais c'était juste le temps que ça se construise en fait, c'est tout. Rien n'est allumé, ça va pas me cramer la gueule, c'est sûr, hein? Non, parce que moi je. Loin de moi l'idée de faire mon casse-couille, mais me faire cramer la gueule, j'aime pas trop ça, oui. Moi je dis ça après, hop. Oh, mais il y a encore une bouteille d'oxygène ici, mais fallait le dire tout de suite. Voilà, ça peut virer par contre. Voilà, tout est mis dans le petit conveyeur d'extraction et c'est tout de suite barré ailleurs, ce qui est parfait pour moi. Donc, on va refaire les groupes. Meuleuse et soudeuse. Hop. Tu me sauvegardes ça. Les meuleuses, c'est la même. Hop. J'ai deux meuleuses 3, on va savoir pourquoi. Hop, alors oui. Étant donné que les nanites m'ont construit ça. Tout ça est à moi. Ça va de soi quand même. Alors, je vérifie quand même. Tout fonctionne très bien, parfait. Hop. Je me suis vidé ou pas? Ah non. Ah non, pas du tout. Bah. What? Comment pourrais-je voir le grand conteneur 01 merde? Ah, je suis con, c'est un truc du vaisseau ça. Ok. Excusez-moi, mauvaise manip, on reprend les gars.
Hop. Alors si, en commentaire, on m'a fait remarquer un truc très intéressant. Je peux afficher les inventaires connectés ici. Donc, à savoir, là, si jamais j'affiche merde, et que là, j'affiche merde, voilà, l'inventaire des éléments d'interaction. Voilà. Ah, ah merde, non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Là, et donc là, en fait, j'ai moyen de mettre ça dans mon grand conteneur de merde directement ici. Alors, ça me pose problème parce que pour le coup, là, c'est... Bah là, c'est aussi l'inventaire du vaisseau, en fait. Filtrer les objets système. Oula. Oula. D'accord. Donc là, vous voyez, là, par exemple, je suis un peu dans la merde parce que là, je vois, d'accord, les objets de voilà, mais c'est tout quoi. Ce n'est pas du tout logique. Bref. Du coup, je vais essayer de ranger ça un peu. Alors, ça va prendre du temps, évidemment, c'est logique. Parce que là, le seul problème, c'est que... Pourquoi j'ai des missiles? Ah bah oui, je suis con, il y avait des missiles là-dessus, je suis idiot. Bah écoutez, les missiles volés là, hop. Je ne range rien. Après tout, peu importe que ce soit en bordel, on dirait. C'est pas comme si j'allais venir voir souvent ce qui s'y passe. Hop. Donc ça, c'est... Hop. Ah putain, j'ai encore des trucs là-dedans. Mais en fait, j'ai masse de trucs dans ce petit vaisseau là. J'avais pas fait gaffe quoi. Hop. Donc. Cockpit de chat. Oui, mine. Voilà. Ça, je. Ça, je sais pas si. Voilà. Hop. Ah non, je peux pas. Ok, bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, donc. Nous disions donc la merde. Voilà. Tu masques les inventaires vides. Et là, limite, je m'en tape parce que pour le coup, tout va venir là. Hop, enfin, quoique. Je sais pas si bien foutre ça là, vous me direz. Oh, j'ai de l'or ici, tu vois. Voyez-vous ça? Hop. Des explosifs? Qu'est-ce que des explosifs viennent foutre ici? Non, mais sérieux. Hop, là, il y a encore de la merde qui ne me sert à rien. Hop, les nanites de toute façon viendront piocher, c'est pas moi qui viens farfouiller dans les coffres. Si jamais j'ai besoin, c'est uniquement juste pour l'acier ou le ou les plaquages d'intérieur, c'est tout. Le reste, je m'en bats royalement les couilles. Hop, ah putain de ta mère, voilà. Ça va là, ça va là. Et donc là, je suis totalement vidé. Parfait. Hop. Ah, je me sens déjà plus léger, 130 tonnes, c'est beaucoup mieux. Hop. Alors donc, on va retirer ça. Ah, déjà beaucoup mieux, tu m'étonnes. Alors, on va y aller en douceur, cette fois-ci, lol. On va espérer, hein. Fais pas le combi. Ok, très bien. Hop, on va essayer de se caler là. Et donc de les faire à la chaîne. Ah mais attends, je suis vraiment trop con parce que... Ah bah si, non. Autant pour moi. Parfait. On peut éteindre ça. Ouh là. Ouh là, j'ai cogné un peu. Tout va bien, tout va bien. Hop, allez go, maintenant on va derrière. On va essayer de se remettre droit quand même. Ok. Alors là, ça va devenir un peu plus épineux déjà. Il va falloir que je vire, alors déjà, toutes les colonnes, là, je vais les virer, mais ça, je le ferai sans doute à la fin, je pense. Je vais virer tous les propulseurs à hydrogène, sachant que de base, il y en a deux. Je trouve que deux, c'est très honnête.
Donc je vais en laisser deux, peut-être même en mettre trois, histoire d'augmenter un peu l'accélération, mais sans plus, je pense. Hop. Ça se passe bien, moi je dis. Hop, quand ils vont par deux tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Alors, on va essayer juste de pas faire en sorte qu'il y en ait qui traînent dans l'espace, parce que ça va être la merde pour les récup. Hop. Ah, pour vous, c'est peut-être pas ultra intéressant ce que je fais, pour moi, c'est du sport. Hein. Faut pas que j'aille trop vite. Faut pas que j'aille trop lentement non plus, sinon ça va être vite être casse-couille. Donc, non, non, c'est. Vraiment que je fasse ça correctement quand même. Hein. Là, il n'y a pas d'hydrogène. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah oui, je suis pas vraiment dans l'axe là. Moi je dis ce petit bijou me sauve la vie. Hop. Au cas où ça a été abîmé, on sait jamais. Hop. Toujours je suis dans l'espace. Estimez-vous, j'aurais pu encore rester 15 épisodes sur la planète. Hein. D'ailleurs, comme quelqu'un m'a fait la réflexion, il est enfin dans l'espace après 15 générations de Willy. Né sur cette planète, il se décide enfin à partir. C'est bien vrai. C'est bien vrai. M'a beaucoup fait rire quand j'ai vu ça. Hop. On va essayer de faire ça. On va essayer de les faire deux par deux. Ah, tu veux t'arrêter 3 secondes? S'il te plaît, merci. Je sais que je pèse 450 tonnes, mais quand même. Un peu de tenue. Hop. Alors, je suis bien dans l'axe, ouais. Attention, vais-je arriver à les faire deux par deux? Oui. Et plutôt bien même. Et ben voilà ce que j'aurais dû faire dès le départ. Deux par deux, ma gueule. Marche beaucoup mieux comme ça. Hop. Hop. Essayer de se remettre droit quand même, faut pas déconner. Alors, bah alors je t'en prie. Voilà quoi, peu de tenue quand même. Oh putain, merde, les 10 barres. Ok, un de barré. Parfait. Ils sont tous barrés, c'est très bien. Alors, maintenant, je... Hop. Ah. Je me sens revivre. Alors. Voilà. Ça, c'est fait. Parce qu'à l'origine, ça, c'était pas là, hein, je vous rappelle. Pourquoi toi, diable, n'as-tu pas de... Nantes, monsieur a décidé, non, allez vous faire foutre, non, je veux pas. Là ça manque, et là ça manque aussi. Bah non, là ça manque pas. Bah alors qu'est-ce que tu fais, toi? Serais-tu devenu fou dans ta tête? Je n'accepte pas les différences de ce genre, tu le sais très bien. Ah putain, mais en fait là ça a pété, quoi. Je pense pas que c'est comme ça de l'autre côté. Hein. Non, c'est ça, de l'autre côté c'est entier. Putain, merde, ça a pété, quoi. Comme quoi, hein, je suis pas indifférent aux dégâts, hein. Mais quand même, un peu. On va essayer de remédier à ça. Alors. Où est-ce que c'est? Ah putain, faut que j'aille rechercher le nom. Comment ça s'appelle, cette foutue merde? C'est un truc arrondi, c'est sûr.
Angle. Angle. Je t'en foutrais, moi. Ah, bah voilà. Là, on peut s'amuser. Angle de blindage arrondi. Angle de... Bah, c'est les mêmes. À prendre celui-là, il brille plus. Hop, déjà on va mettre ça. Hop, alors. Ah, mais merci. Tu... Est-ce que tu as un angle arrondi quelque part au moins, non? Non mais, oh, sérieusement. Besoin de plaquage d'acier, de plaque d'acier, d'accord. Non mais c'est une blague. Il est où ton arrondi là-dedans? Ah, si, ça c'est l'arrondi, je crois. Oh, c'est vraiment de la merde. Écoutez, on fera ça après. Hein. Je vais pas me faire chier à faire ça maintenant. Écoutez, c'est pas vraiment fait pour ça l'épisode au départ. Alors donc, numéro 7. Étant donné que je te tiens, toi, est-ce que j'ai moyen d'en mettre 3? 3 de chaque côté, j'entends. Parce que là, hop, là, ça prend combien? Ça prend tout ça. À savoir, ça prend 1, 2, 3 de large. Ça risque d'être short de mettre 3. Ça risque d'être extrêmement short. Il me faut des plaques d'acier. Déjà, on va les choper, ces putains de plaques d'acier. Hop, je dois bien avoir accès à un conteneur quelque part. Hop, nickel, j'en ai 2000. Ouais, non, ça risque d'être chaud d'en mettre 3 en fait. Je pensais que ce serait faisable, mais ça risque d'être ultra short. C'est pas grave, on va garder 2. 2 c'est la base, 2 c'est bien. Hop. Un ici. Un ici. Ça, c'est fait. On va en mettre 2 là. Ça, c'est fait. Alors maintenant, non, parce que je vous jure, ça me perturbe cette merde. Hop. Angle de blindage arrondi. Et c'est celui qui brille pas, a priori. C'est pas celui-là. Hein. Non, regardez. Ah si, bah si, c'est le même. Autant pour moi, c'est le même, c'est juste que je suis un débile, a priori. Je sais pas. Je sais pas vraiment comment le disposer. Comment tu le disposes ton truc? Non mais sans déconner, il est où le blindage là-dedans? Où est l'arrondi? S'il vous plaît, messieurs dames. C'est ça? Oh là non, c'est pas ça. Sans déconner, j'ai un mal de chien à le voir l'arrondi, je suis aveugle quoi. Ah, y a un truc qui est pété là. Comme ça? Oh là non, pas comme ça non plus. Non, 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 les nanites, vous n'avez... Ah si, par contre là c'est pété. Ah. Voilà, c'est plus... C'était peu cassé. Je me sens tellement mieux quand c'était pas cassé. Hop. Oh, les nids vont faire la grève. Ouais, ils nous filent du boulot, mais ils enlèvent tout avant qu'on arrive. Oh, putain de merde. Comment ça se met, cette merde? Comme ça? Oh là non, pas comme ça. Putain de merde, c'est une blague. Soit je suis aveugle, soit je suis totalement con. Mais merde, mais pourquoi est-ce que ça? T'as fini d'être déformé, oui, mais c'est quoi ton délire, bordel de merde? Mais ni, je t'apprendrai. C'est bien comme ça, hein. C'est bien. Ah non, ça recouvre tout le merdier! Autant pour moi, je fête la merde. Ça recouvre tout le bordel. Alors attendez. Hop, donc ça c'est quoi? Pente de blindage arrondie. On va rechercher ça. Pente de blindage arrondi. Pente de blindage arrondi. Non, ça c'est angle de blindage arrondi. Pente de blindage biseauté. Pente de blindage arrondi. Je pense que c'est ça. Où ça? Pourquoi il y en a plusieurs sortes? C'est quoi ce délire?
Sans déconner, comment vous voulez que je m'y retrouve, moi? Là, ça va encore. Là, j'arrive à distinguer. On va pas se mentir. Ouais, là, ça y va. Mais alors, l'autre, putain, pour le distinguer, moi, je dis, faut y aller quand même, hein. Non, mais sans déconner, c'est un carré, vous le voyez comme moi, quoi. Comme ça? Oula, non, pas comme ça. C'est gentil, tu te répares, toi, merci. J'ai pas demandé à ce que tu sois abîmé, saloperie de merde. Hop. Alors, c'est pas comme ça. Comme ça. Ah! 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 Ah oui! C'est ça? Il semblerait que oui, ce soit ça! Enfin! Putain, j'aurais mis le temps. Oui, c'est ça, parfait. Alors donc maintenant, on va se prendre ce que je connais, à savoir ceci, voilà. Tu es gentil, tu me copies la couleur là, voilà. Hop, donc toc et toc, ça je sais faire. Je sais que je suis débile, mais pas à ce point quand même. Et donc ça, c'est quoi? Pente de blindage léger. Je crois que j'en ai déjà utilisé de ça. Hein. Pente de blindage léger, ça doit être ceci. Non, ça c'est du blindage lourd, c'est ça le blindage léger. Voilà. Et donc là, ça devrait être bon, je pense. Parfait. Voilà, la totalité du dédale est à présent réparée. Tout fonctionne bien, comme vous voyez. Là, ça fonctionne pas, mais c'est un bug, je pense. C'est au-dessus, hein. Oui, c'est au-dessus, faut pas se foutre de ma gueule. Ça va fonctionner, ça va fonctionner, c'est juste un petit bug totalement ridicule, mais bug quand même. Hop. Toi, t'es gentil, tu vas aller te vider dans les jupons du dédale. Hop. Marche tellement mieux dans l'espace ce truc. Tu m'étonnes. Ah, non, non, tu vas par là. Hop. Il devrait aussi faire un truc. Faire un truc genre. Genre stacker tout ce qui est pareil, conneries comme ça. Il devrait faire les options comme ça dans les coffres, je pense. Enfin, moi je dis ça après. C'est pas mon jeu, je veux bien, mais après voilà quoi. Ce n'est que l'avis d'un joueur qui aime beaucoup ce jeu. Alors, voilà, hop, ici, on va se prendre le grand conteneur de merde. Si jamais je fais deux merdes, ce sera mieux tout de suite, non? En conteneur 01, merde, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Oh! C'est pas grave, écoutez. Nous allons faire ça comme ça. Hop. Tout va bien se passer, je pense. Voilà. Regardez-moi ce bordel. Il y en a là. 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 Il y en a... Putain, il y en a partout. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne m'en occupe pas. Promis. Oh, là. Ah bah non, je suis con, c'est déjà moi qui ai foutu tout ça. Ok, bon, lui, il est vide, c'est parfait. Hop. Ah, 127 tonnes, je me sens léger. Très léger. Oh, excusez-moi, c'est vrai que je ne dois pas siffler. Toutes mes excuses! C'est un vieux réflexe, je ne dois pas siffler. Je sais pas si je l'ai déjà fait dans la vidéo, je suis totalement, invariablement et désolément navré. Tout ceci est bien. Oh oui, tout ceci est bien. Ça a pas bugué de ce côté-là. Hein. De ce côté-là, ça n'a pas bugué tout. Est-ce que dans le hangar, c'est bugué ou pas?
Parce que je sais que j'ai aussi un vaisseau dans le hangar que je ne vais jamais voir d'ailleurs. Il est bugué lui ou pas? Ah, c'est pas ce hangar là, fais chier. Excusez-moi, je me suis planté du hangar, ça arrive. Oh putain, lui aussi il est bugué. Oh bordel de merde. Oh bordel de merde, lui aussi il est archi bugué de la mort. Aïe 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 aïe. Je sens que je vais souffrir pour le revenir de celui-là. Eh hey, non, non, te ferme pas, saloperie de merde. Ok, bon, lui est bugué, mais je le ferai pas dans cet épisode. Parce que mes couilles, hein, je veux bien être gentil, voilà, mais bon, il y a des limites quand même. Hein. Oh. Donc là, BC-304 Dédalus, ça oui, d'accord. Alors par contre, BC-304, écrire commentaire, je suis navré, ça je n'accepte pas. Alors, public title, type d'accès, écran, afficher texte à l'écran. Alors public title, hop, voilà. D-A-L-U-S. Hop. Daedalude. Daedalude, putain de merde. par contre, excusez-moi, juste... Il est centré, là. Ah non, là, en fait, il est... Comment c'est foutu, ce truc? BC... Ah, le 304 et le Dédalus sont avec. D'accord. Et là, c'est comment? Oula, mais c'est pas... Non, je déteste ça, moi. Oups. Voilà. Donc, BC-304. Non. Voilà. Je me mets ça comme ça si tu veux. Voilà. Écrire. Écrire comme. Ah par contre, mais ça revient tout le temps. Ça, j'y peux rien moi. Hop. Oups. Voilà. Éditer texte public. Hop. Donc c'est 304. Dédalus. Je sais pas si jamais il y a un espace. Pas sûr. Et de toute façon, même sur majuscule, qu'est-ce que je fous écrire sans minuscule, je suis con, moi. D-A-E-D-A-L-U-S. Ah bah voilà. Ah bah déjà, c'est beaucoup mieux. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Titre public. Bah non, je peux pas l'écrire là. Qu'est-ce que c'est que ce délire de merde? Temps de rafraîchissement 0 secondes. Donc il n'est pas rafraîchi, pourquoi est-ce que ça se barre? Ça c'est la grande question que je me pose. D'accord. Texte privé. D'accord, je pensais avoir... Excusez-moi. Je pensais avoir copié le 304 et Dédalus. Hop. Voilà, on va tout copier comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. C'est mieux là? Tu vas encore me casser les couilles ou pas? Oui, non, peut-être. Commande, commande. Bon, alors écoutez, j'ai la technique. C'est un peu la technique de merde, je vous l'accorde, mais... Hein, à défaut de faire sans, des fois on est obligé de faire avec. Hop, éditer texte public. Tu me copies ça, merci. J'espère que pour le coup le bug va pas se propager à ça parce que ça m'énerve. Ça m'irriterait un tantinet, vous voyez. Hop. Ça dégage. Voilà, le nom au hasard. Hop, commande inconnue des Dédalus. Je vous pose des couilles des commandes. Est-ce que j'ai une tête à créer des commandes? Sérieux? Mais pourquoi, putain de ta mère? Est-ce que je t'ai demandé d'écrire... Oh putain, ça se trouve, il y a LCD qui est écrit. Juste pour ça, en fait. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Pour ça, en fait, que ça se réédite tout seul. Je suis trop con, moi, en fait. Hop. Et donc là, ça ne devrait plus bugger. J'espère. Tu bugs ou tu bugs pas? Tu bugs ou tu bugs pas? Tu bugs pas, c'est parfait. Tout ceci fonctionne, d'ailleurs je crois qu'il y en a aussi un devant.
qui... Ah bah non, il n'y en a pas devant. Je crois qu'il y en a... Ah non, il me semblait qu'il y en avait un de ce côté-là qui foirait aussi, non? Il y en avait bien ici pourtant, je rêve pas. Non, bon bah d'accord. Ok, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, très précisément ici, là, il y avait une caméra. Alors je sais, l'épisode commence à s'éterniser, je suis navré. Il y avait une caméra et on m'a dit que je pouvais zoomer avec la caméra. Alors, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, ça doit pas être bien compliqué, je pense. Bah alors, je t'en prie. Bon, les nains ils vont faire ça. Alors on m'a dit que je pouvais zoomer avec la caméra, cela dit je ne sais pas comment. Donc bah, je vais essayer de trouver. Peut-être pas dans cet épisode, mais j'essaierai de trouver. Hop. Non, putain, ta mère là. La caméra se construit. Tu serais gentil de descendre, merci. Voilà. Et donc, chers amis, avant de terminer cet épisode, nous allons bien entendu quitter ce monde. Ce monde qui nous aura fait chier, on va pas se mentir. Donc, on va quitter ce monde vers une contrée lointaine, pas du tout dangereuse, j'espère. Hop. C'est bon? C'est bon, parfait. Hop, je sauvegarde parce que YOLO, j'ai fait tout ce que je voulais. Hop. Et donc, nous allons vers des contrées lointaines, à savoir en appuyant sur le bouton numéro 6. Hop. 357 km plus loin. Hop. On y va. On y va. On quitte cet endroit à la con. YOLO! Ça marche admirablement bien. Moi, je dis oui. J'ai dit oui, tous mes vaisseaux sont là. J'ai rien perdu dans la bataille, t'es sûr? Non? Parfait! Donc voilà, chers amis, cet épisode passage fait sur le Willy qui est de nouveau dans l'espace. C'est arrivé. Et... Oh! Encore à 100% celui-là? Sérieux? Ah oui, celui-ci est encore à 100%. Allez savoir pourquoi, mieux du jour comme ça. Donc voilà, chers amis, j'espère moi que cet épisode vous aura plu. Si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner, bien entendu, en commentaire. Je serai ravi de pouvoir vous lire et donc d'avoir vos commentaires sur ce qui s'est passé dans cet épisode. Moi, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine. Et j'ai plus de glace? Oh! Oh, la loose! Oh, bah, je suis pas dans la merde, moi.